Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 2 HD et plus vraiment la campagne des Conquérants, Agatha the Conqueror. Et on reprend la dernière fois dans la campagne du Cid. D'ailleurs, on voit tout de suite un bug, il n'y a pas de descriptif de. Par rapport aux autres, il n'y a pas de descriptif. Bon. Ce n'est pas grave. Nous avions terminé l'ennemi de mon ennemi, nous avons repris la ville de je ne sais plus quelle ville. Maintenant, nous allons attaquer la mission qui s'intitule l'exil du Cid. Du Cid, excusez-moi. Au cours de l'hiver, le roi Alphonse a envoyé en exil le Cid, son plus fidèle serviteur, avec pour seul compagnon son cheval Bavieca. Nos deux filles et moi sommes restées dans un monastère de Castille. Notre séparation a été un moment effroyablement douloureux. Mon mari n'est pas resté seul longtemps. Sur son passage, le Cid rencontre des mercenaires et des soldats prêts à le suivre. Et il se retrouve bientôt à la tête d'une petite armée. Mais il ne voulait pas passer son temps à courir les contrées sauvages de Castille. Il lui fallait un château et un seigneur à servir. Son souhait n'allait pas tarder à se réaliser en un lieu fort inattendu. Essayer de trouver une nouvelle ville où s'implanter un nouveau seigneur à servir. Si vous ne mène plus l'armée espagnole, il faudra vous améliorer avec la technologie des Sarrasins. Ah, fait chier, on est déjà au courant de qui on voit. J'ai dit qu'il faut se battre et quand il faut fuir, vous devez peut-être détruire des murs sur votre passage, mais seulement si vous êtes obligé. Le Cid ne considère pas Alphonse comme un ennemi, mais plutôt comme un homme mal avisé. Par contre, il ne saurait rien qui lui appartienne sauf en cas de nécessité. Le Cid commence seul, ne craignez rien, vous trouverez rapidement des partenaires pour la fin de votre coup, vous serez pauvre en matière économique jusqu'à ce que vous rencontriez un vieil ami. Le roi Alphonse est votre ennemi, il ne représente pas une réelle menace, vous direz à l'ennemi le comte Béranger de Barcelone, il enverra des épées, chevaliers, scorpions et béliers vous combattre. En gros, des hommes d'armes, des chevaliers, des scorpions, des béliers. Al-Mutadid le mort est un allié potentiel comme les autres morts que vous rencontrerez. Donc voilà, on retourne avec la technologie des Sarrasins. Donc je vais se regarder vite fait ce que c'est. Hein. Voilà. On va se regarder vite fait. Voilà, c'est pour ceux qui se rappellent plus la technologie mort que je vous remonte comme tout l'arbre technologique. Voilà. Je ne peux plus te voir, le Cid. Je te somme de quitter mon royaume, séance tenante. Le Cid, je sais que le roi est furieux, mais je suis sûr que tu ne comptes pas partir sans ton fidèle Bavieca. Il t'attend dans les écuries au nord-ouest. Bon. Ah, écurie. Le Cid, voici ton cheval. Ne juge pas le roi Alphonse trop durement. Nous ouvrirons les portes pour toi. Dieu veille sur toi. Ne partons vers rien connu et l'au-delà. Désolé. Craquage. Honnêtement, dans une partie, j'ai rasé le roi Alphonse. Ça a pris son temps, mais je l'ai fait. Ils étaient pas encore sur la version HD. De tout ceci. Si le Cid se montre encore près de nos murs, ouvrez le feu. Le roi Alphonse est stupide de t'avoir imposé les îles. Nous te suivrons là où tu nous mèneras, le Cid. Donc voilà, j'ai recommencé à rejouer de manière sarrasin cette mission. Donc chameau et voilà. Ah oui, la Pascal. Pas... Bienvenue ici. Monseigneur Al-Mutamid est au courant de la situation et t'invite à nous rejoindre dans sa cité de Saragosse.
Ah, c'est Saragosse. Assez près d'ici, en direction du sud-est. Voilà. Saragosse. Je cherchais le nom du domaine. Puis un petit moment. Enfin, ils me le disent. Merci d'y avoir pensé. Donc. Bon, j'ai bien le sud. Le Cid. Le roi Alphonse a bloqué l'issue vers Saragosse. Pour traverser, nous devons assiéger son château. Les troupes dont nous avons besoin se trouvent peut-être au sud. Bravo. Le Cid. Le peu que nous avons embarqué, c'est de détruire le château d'Alphonse au nord. On va. Vous voyez un peu l'armée. Je pense que vous comprenez déjà le souci qu'il va y avoir. Ah bah. Oh merde. Désolé. Restez là, quand je vous demande un ordre, j'aimerais bien que vous écoutiez mes ordres, sincèrement. Voilà, donc là vous tuez leur... leur troupe comme vous pouvez. Piqué contre piqué, et après cavalerie contre unité de tir. Ah, ce qui est habituel, quoi. Voilà. Donc, comme vous voyez, on s'en sort plutôt bien. Peu de pertes. À quelle époque HG Château. On va peut-être plus un peu plus de cavalerie pour l'instant. Il n'y aurait peut-être pas de mal. Un peu de cavalerie. Alors, il ne faudra pas oublier de la récupérer après. Ça n'est mes troupes là. Que je vais s'imaginer une fois qu'on va le rejoindre. Mais quand il s'agit ici, c'est quand même bizarre. Hein. Béranger qui va vouloir récupérer un relique, mais ça je ne laisserai pas faire. Ah, ce que je fais en fait avec le site, c'est juste que je scoute pour voir où sont les ressources potentielles en Castille d'une certaine manière. Là, il y a énormément de bois, donc je pense que ma réserve de bois se fera ici. Mais c'est tout ce qui est pierre, or, etc. que je cherche comme toujours. Il y a de l'or là, c'est vrai, mais de mémoire, il y a un château ici. Voilà. Le Cid. Nous ne devrions pas nous diriger dans cette direction qui mène droit dans les serres de notre ennemi, Béranger. Saragosse se trouve au sud d'ici. Voilà. Voilà. Ça, on y va. Ce manque de réactivité par faute du jeu. Enfin, surtout les béliers. Après, c'est normal.
Arme de siège oblige. Voilà, regardez, les bélés qui refont encore demi-tour. Tazo qui a pas balistique, on en profite. Toi, mets-toi au milieu. Bon, ben non, plus vous êtes en difficulté supérieure, plus il y a d'unités qui défendent le château. Hein. Donc vous approchez le Cid du château, comme ça vous atterrez l'unité derrière. Vous faites en sorte qu'ils prennent l'aggro des unités et vous tuez petit à petit les unités en faisant attention aux piquiers qui évitent de le tuer. Hein. Et la cavalerie s'occupe des unités à distance. Là, je pense que vous comprenez l'utilité de mettre l'aggro en le Cid. Certes, la perte des PV, mais globalement, il s'est plus régénéré que. Enfin. Il était à plus de 200 au début. Il y a quelques erreurs de ma part. Le Cid, cela ne nous mènera à rien de nous battre. Faisons une trêve et partons chacun de notre côté. Voilà. Ensuite, il faut. Je sais pas si. Ouais, je crois qu'il faut que le Cid y aille. Donc ici à Porteuf, faut savoir qu'elle est fermée, donc c'est pour ça les unités ici qui ont voulu me pourchasser, étant donné que la porte est fermée derrière moi, ne me suivent pas. Je pense que vous devinez pourquoi j'envoie mes troupes en premier dedans. Je pourrais faire se soigner. Sa tour déjà ça te fait, ça évitera que mes troupes ne soient pas trop opérationnelles pour la suite. Ah, c'est vraiment purement dans ce but là que j'ai envahi mon armée avant. J'ai vu un cavalier qui était déjà full vie. 120, 120. Et apparemment il est full vieux aussi. Donc voilà. Là maintenant on va fouiller un peu ce côté le sud. Et si vous pouvez me dire que j'aurais pu prévoir ça d'avance, mais non. Je pense que c'est normal de pas tout faire à l'avance quand même quand on fait une vidéo et de pas tout se rappeler parce qu'au bout d'un moment c'est chiant. Parce que pour vous, vous avez pas vos feuilles quotidiennes. Et pour moi, ça me demande beaucoup plus de préparation et j'ai pas forcément le même temps que j'avais une époque pour faire mes vidéos. Même si je les prépare, je peux pas les préparer autant qu'à une époque. Et en même temps, quand on a des trucs à faire entre temps, je vois pas où est le problème. Par exemple, là, je dois attendre que mon armée soit soignée. D'accord, il y a de l'eau ici. Vu que je dois attendre que mon armée soit soignée, ben. En soi ça m'occupe, hein. Tant que ces troupes-là soient soignées de ce côté, ben, ça me permet que ça soit actif. Et trouver surtout les mines d'or et les mines de pierre, ça m'arrangerait. Ouh, une deux reliques. Miam. Voilà. Deux reliques déjà. Quasiment soigné. Eh ben non, t'auras pas la reliquie à moi maintenant. En plus, ça fait soigner mon Cid, ça c'est bien. Ah, mes unités m'obéissent toujours autant, c'est toujours aussi chiant. Bah bon, c'est Nia qui commence vraiment à vieillir, donc c'est compréhensible aussi.
Voilà. Les deux derniers, on va attendre encore un peu. On va juste en fait attendre que ma cavalerie soit vers Aerolik en fait. Parce que voilà, vous imaginez deux reliques déjà sous ma domination entre guillemets. La relique au sud, la relique au nord. C'est quand même un sacré avantage hein. J'avais pensé qu'il faut qu'on augmente ça. C'est pour ça que je trouve très important dans cette mission de... Ouais. De manière générale, je trouve très important de protéger Ruik, donc Ruik au sud, c'est bien. Celle-ci, bon, parfois vous arriverez à passer le château avant qu'il la récupère, parfois non. Donc celle du nord, vous aviserez au moment venu en fonction de ta partie. En fonction de votre partie, plutôt. Voilà. Donc là, mes troupes sont plutôt bien soignées. Nous nous rencontrons de nouveau, Lucie. Tu arrives au bon moment. L'armée du comte Béranger est à nos portes. Remporte la victoire et les terres qui s'étendent au-delà des portes de ma cité t'appartiendront. C'est facile. Honnêtement. Je crois qu'après il donnera son armée. Donc voilà. Ah ah. Un moine. Désolé, mais je déteste les moines. Ah, j'ai perdu une unité de cavalerie, ça m'énerve. Ah bon. Merci d'avoir sauvé ma cité. Voici un petit remerciement pour tes efforts. Tu peux maintenant utiliser ces villageois pour construire ton propre campement au nord-ouest de Saragosse. Mais sois prudent. Béranger pourrait revenir. J'ai réfléchi où ce serait plus intéressant de le mettre. Nord-ouest. Ouais, ici, ouais. C'est vrai que c'est pas con. J'aurais dû laisser une unité qui la gardait. Je vais m'en prendre qu'à moi là. Si la relique j'y vais pas, je peux m'en prendre qu'à moi parce que j'aurais dû la garder avec une unité militaire. J'aurais pas dû. Voilà, c'est que je... J'ai mieux à protéger que ça, cette relique. Enfin bon. J'ai fait une erreur, je l'assume. Donc ici, hop. Un mur de maison. Ça peut surprendre, mais c'est toujours des avantages, ça, de faire pas de maison. On ne peut pas forcément voir les bâtiments comme quelque chose, uniquement un bâtiment pour une raison, non. Ça peut aussi servir de protection. On peut aller à l'âge impérial. Ah ah. Ça c'est bien. Après, est-ce que je peux attaquer aussitôt Béranger?
Je suis sceptique de pouvoir attaquer tout de suite en fait. La nourriture. Là-bas. Ah, quoique, j'ai quand même que ça soit aussi. Donc, j'ai dû en prendre 6. Ouais, 6. Non, 5, ça suffira. Ah oh, mais j'ai... Allez, j'hésite franchement quand même à attaquer massivement quand même avec la forteresse. Pour l'instant, il n'y a quasiment rien à Bérangère. Ça occupera pour un petit moment de faire ça. Donc ici il me faut ça, il me faut un petit moulin. Ah, comme ça vous se mettre à côté. Donc là c'est vraiment un pur test de lancer un assaut aussi tôt. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ça peut être une excellente idée, ça permettrait de très vite dégommer son armée. Du fait que j'ai déjà beaucoup de troupes. J'avais pensé que j'envoyais un moine avec une relique qu'on m'a piqué. C'est utile qu'on aime avouer la relique encore une fois. Voilà, donc pensez à protéger quand même les 5 au bois. D'un côté, enfin, je vais pas dire que j'ai pas de dégâts quand même. Ça passe pas forcément aussi bien que je voulais, mais ça pourrait être pire aussi. Et malgré qu'il y ait une tour, et dès que maintenant il tourne en bon temps, je fais quasiment pas de dégâts au bélier. Va faire un sacré boulot. Oh, le fait manier à l'arrache, encore une fois, comme ça. Donc que c'est moi qui sais gérer nickel. Voilà. Maintenant on s'occupe de la tour. Son armée est quasiment morte. Et ouais, quelques troupes. J'ai quand même pas fait beaucoup de troupes. Hein. Donc au final, on peut lancer un assaut directement dès le début et finir l'adversaire. C'est pas plus mal. C'est plus fin de trop haut. Mais généralement, dans plein de jeux maintenant, c'est ça. Vous lancez un attaque. Vous hésitez pas, vous prenez des risques et ça passe quoi.
J'ai littéralement cela, et c'est parfait. Voilà. Donc ici en fait au final j'aurais dû construire pas une unité de plus, ça finirait plus vite. Enfin bon, on va quand même lancer une petite économie au cas où. On sait jamais. Mais bon, je pense qu'à partir de vous à moi, il y a beaucoup de reliques quand même, ce petit Mario, hein. Voilà. Donc mission terminée. 5 reliques il avait. Et ben. Donc essayez de produire la relique là-bas et la relique ici. Hein. Ça peut vous aider, mais comme vous avez constaté au final, j'ai lancé un assaut très rapide dessus, je les ai dégommés. Donc voilà. Almut Hamid, seigneur de Saragosse, excellait à diriger les hommes, mais comme de nombreux morts, il affectionnait également la poésie et l'art. Les réalisations culturelles des morts ne trouvaient aucun pendant en Europe. Alors que le Cid conversait avec le seigneur Almut Hamid dans son somptueux palais, un petit cours d'eau acheminait les mets les plus raffinés jusqu'à leur table. Almut Hamid a couvert le Cid de somptueux cadeaux et en a fait un homme riche. En fidèle serviteur de la Castille, il a même réussi à convaincre son hôte de signer un traité par lequel Saragosse intégrait la Castille. Le Cid n'a jamais combattu le roi Alphonse. En revanche, il s'est aliéné le comte Béringer et d'autres seigneurs espagnols avides des tribus en or des morts, mais dédaignant toute alliance. Le comte allait rester l'ennemi du Cid pendant de nombreuses années. Et voilà, donc une vidéo bien rapide, ce qui est pas courant avec moi. Toc 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 toc. Or accumé mes tonnes. Voilà. Or des reliques, c'est logique. Donc voilà, ils ont quasiment que de l'armée, vous avez vu, on a dégommé son armée, il n'y a quasiment pas d'économie au début. Démolissez son armée, il a plus rien. Et voilà. Donc ne pas hésiter à le démolir dès le début. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois si ça porte bien. Et à tout le monde.